Salut, allez c'est Seb, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit plugin qui s'appelle Reshade. Alors vous avez été pas mal à me le demander suite aux dernières vidéos que je vous ai postées pour savoir un petit peu mes presets et on va déjà commencer par le début à quoi ça sert Reshade. Reshade c'est un petit plugin qui se met en surcouche de votre jeu, peu importe un sim racing, simu d'avion, tous les jeux qui sont compatibles. Il est compatible avec beaucoup de moteurs graphiques, et je vais vous montrer comment ça fonctionne et le but est de modifier l'aspect de votre image. Comme le ferait un logiciel photo, ça vous permet de lisser, d'accentuer les traits, de modifier la colorimétrie, de modifier la saturation, de modifier les blancs, de modifier tout ce que vous trouvez sur un logiciel d'image, vous allez le retrouver dans Reshade. Alors, on va regarder tout de suite comment ça se passe. Et déjà, je précise tout de suite, un logiciel est un plugin totalement gratuit, très facile à utiliser. Après, effectivement, au niveau de l'ergonomie, c'est un petit peu perfectible, mais vous allez voir, rien de bien compliqué. On va regarder tout de suite sur la page de téléchargement. Alors on se retrouve ici, donc vous tapez Reshade, j'ai même mis 2D, c'est n'importe quoi, vous tapez Reshade, hop, sur votre navigateur internet, peu importe lequel, c'est le premier qui ressort, Reshade, voilà, vous cliquez dessus, vous ne voyez pas mon curseur, mais c'est pas grave, donc vous voyez, ça explique que c'est un logiciel de post-processing, comme vous pouvez le trouver sur les jeux, hein, tout simplement, et qui supporte ici tous les moteurs graphiques, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop, voilà, tous les moteurs graphiques ici. Donc vous inquiétez pas si de temps en temps il vous installe un petit .NET Framework 4.6.2, vous l'installez vous-même, mais en tout cas souvent la plupart des jeux, et notamment les jeux récents, le propose à l'installation, donc normalement il est déjà installé chez vous. Si vous avez un doute, vous pouvez l'installer au préalable, c'est encore une fois un petit add-on qui permet de faire fonctionner Reshade. Donc les moteurs graphiques sont ici. Tout ce que vous avez à faire ici, download, jusque là je pense que tout le monde sait le faire, et je descends. Hop, ici, voilà. Donc la dernière version en date qui est sortie le 25, que je dis pas de bêtises, août 2023. Vous cliquez ici, open, enfin download Reshade, et il se télécharge tout simplement. Jusque là, je pense que vous êtes à même de le faire et de pouvoir réussir cette manipulation comme tout le monde, pas de problème. Donc on va aller voir au niveau du téléchargement ce que ça donne. Donc quand vous lancez le, hop, le petit logiciel Reshade, voilà, ça vous ouvre directement ça. Donc désolé, hop, si je peux le mettre un peu plus grand. Je zoomerai au besoin si c'est pas suffisant au montage. Donc là, il vous liste, vous lui laissez un petit peu de temps. Plus vos jeux sont, nombre de jeux c'est important, et plus il va mettre un peu de temps. Vous voyez, il y a tout, même pas que des jeux, il y a même des logiciels. Vous voyez, Alan Wake, Alan Wake 2, le Content Manager de AMS2, enfin il y a tout, tout, tout. Et si auquel cas vous ne trouvez pas votre jeu, vous cliquez sur Browse. Et vous allez chercher l'exécutable de votre jeu. Donc on va essayer de prendre un petit exemple. Donc je vais commencer par quelque chose de simple. On va prendre le premier Assetto Corsa. Donc je le cherche. Hop. Okay. Assetto Corsa. Vous voyez là moi j'en ai deux. Assetto Corsa Launcher. Et Assetto Corsa ici. Voilà. Après il suffit de voir un petit peu. Ici vous avez le chemin de l'installation de votre jeu. Là il met acs.exe. Et là il me met Assetto Corsa.exe. Moi je vais essayer celui-là. Parce qu'il y a le launcher et moi comme je passe par Content Manager, c'est peut-être un petit peu particulier. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer. Voilà, il demande le moteur graphique, je vais laisser sur 10, 11, 12. Donc il me demande de trouver un preset. Si vous avez un preset que vous l'avez enregistré sur votre bureau, dans un document de votre PC, les presets, c'est la configuration, la préconfiguration, comme si vous installiez un setup de voiture. Là, c'est un preset du jeu. Là, on va dire que j'en ai pas. Donc, on va faire Next. Là, une autre partie. Il demande quel package je veux installer. Package, c'est tous les effets. Mais alors, quand je dis tous les effets, vous pouvez avoir sur le jeu. C'est des préconfigurations de fait et qui vous donnent des différents layers, des différentes couches à mettre sur le jeu. Très honnêtement, il y en a beaucoup et moi je n'en utilise que 3 ou 4. Donc après, libre à vous de tous les mettre. Vous faites uncheck all et check all. Moi je vais juste laisser ceux de base, les effets standards. SweetFX, là c'est des gars en fait hein, qui ont créé ces modifications. Il y en a plein, hein. Vous voyez, franchement, il y en a plein. À vous de les tester un par un. Moi je vais juste laisser pour vous montrer ceux de base. Donc vous faites next. Voilà, vous voyez, tout ça c'est tous les effets qui sont installés. Moi, pour le moment, de ce que je fais, de ce que j'en ai besoin, j'en ai largement assez. Vous faites Next et Finish. Reshade est installé sur Assetto Corsa. On va essayer de voir en jeu ce que ça donne. Donc, je vais lancer Content Manager.
Donc normalement ici on voyait ça se note en haut de votre jeu, c'est normal. Il vous dit qu'il y a peut-être des mises à jour, voilà, Richel, il est installé, donc là il indique, hein, et now installed successfully, donc ça veut dire qu'il est bien installé, il suffit de presser Home pour avoir le tutoriel. Donc on va déjà faire pause au jeu. Voilà. Donc il vous explique et blablabli et blablabla. Je ne vais pas tout vous expliquer. Là il y a déjà le reshade, le preset d'installer. On s'en fout. Voilà, vous arrivez là-dessus, vous faites next next, tout simplement. Donc là, première chose à faire, c'est d'affecter pas deux touches mais une. Voilà, on va aller dans settings. Donc première touche home, c'est l'overlay qui vous permet de vous montrer ce tableau de bord, la configuration du jeu en fait. La deuxième, c'est toggle key. Alors encore une fois, hein, je ne vais pas aller au fond du plugin de Reshade parce qu'il y a tellement de choses. Je vais aller à la base. Donc vous cliquez dessus et moi je vais mettre insert. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Hop, voilà, insert. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on revient sur home et là en fait on voit les différentes couches que l'on peut installer. Donc vignette. Normalement quand vous cliquez dessus, moi vous voyez, il était déjà dessus. Vignette. Vous voyez le jeu normalement. Le vignettage se met sur le côté. Donc je vais revenir, je vais vous remettre ça de base, hop, comme il faut. Voilà. Donc vignette, et là je vais mettre tone map. Voilà. Donc si vous voulez voir avant-après, vous utilisez votre touche, moi c'était insert. Voilà. Donc je vais enlever, hop, avec home, l'interface du jeu. Donc je reviens sur le jeu. Donc vous allez voir, je vais mettre. Donc là c'est avec les effets que j'ai apporté dessus. Et là c'est sans. Alors encore une fois, chacun règle son reshade comme il l'entend. Moi, mon but premier, c'est de rendre l'image plus réaliste. Vous le voyez au travers de mes vidéos, certainement. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est parce qu'ils ont vu ça. Ça permet d'avoir un rendu moins jeu et plus photoréaliste. Souvent, les jeux, vous l'avez remarqué, sont super saturés. Quand je dis saturé, c'est-à-dire que les couleurs font du bien à l'œil, ça pète dans tous les sens, c'est super beau. Mais à mon sens, c'est trop élevé en termes de saturation. Alors certains jeux, comme ACC ou d'autres, proposent de baisser in-game. Moi, personnellement, je préfère le faire pour tous les jeux, j'y touche plus. Donc là, vous voyez, insert, donc pour l'activer. Hop, voilà. Voilà le rendu que ça donne. Je vais essayer peut-être de laisser rouler pour vous montrer. Ça, c'est... Bon, je vous laisse deviner, mais ça, c'est sans reshade. Et ça, c'est avec. À mon sens, c'est quand même plus propre. Je vais essayer de vous mettre en vue inboard. Onboard, pardon. On l'avait ici, voilà. Là, vous voyez, pour moi, ça fait jeu vidéo. Encore une fois, avis personnel, totalement subjectif. Et là, j'appuie. Là, c'est ma façon de voir le jeu, en fait. Et j'aurais pu encore accentuer certaines choses. Alors, oui, on pourrait dire, ouais, c'est moins flatteur, peut-être. Mais moi, à mon sens, ça fait plus réaliste. En termes de FPS, je sais pas si je peux vous montrer, là, ça va être compliqué. Non, j'ai pas vu de différence de FPS. Alors, encore bien, même s'il y avait une différence, ce serait de 1 ou. Ou 2 FPS, bon c'est pas énorme. Donc voilà en gros pour le premier exemple sur AC. Alors je vais revenir sur les configurations, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. De toute façon, hop, une fois que vous avez par exemple pris, là j'ai pris par exemple Tone Map, hop, la configuration se trouve en bas bien évidemment. Donc là je vais appuyer sur Continue, Finish, c'était le tutoriel. Voilà. Voilà, donc on va bouger cette barre et je vais me virer parce que sinon, non, hop, donc la barre. Hop, on va la monter. Voilà, on voit un peu mieux ce qu'on fait. Donc vous voyez, ici, c'est les presets. Enfin, c'est les préconfigurations de presets. Donc vous pouvez les changer. Vous voyez, par exemple, ici, l'exposition, elle est à 0. Si je la change, on va remettre à 0. On va peut-être activer quand même. Hop, voilà. Donc si je la change, voilà. En live. Je vais remettre d'origine. Là, ici, c'est le vignettage. Donc le vignettage. Pareil, là je suis à 1,027. Voilà, si vous faites effet, si vous voulez faire effet casque ou je sais pas, peu importe. Donc à loisir, ça vous permet de faire un peu votre sauce, votre image comme vous le souhaitez. Alors ça c'est les éléments que j'utilise. Je vais en prendre un autre par exemple. Si vous voulez appliquer une lutte, ça c'est une correction de colorimétrie de l'image. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Monochrome, hop, vous voyez, noir et blanc. Je vous dis, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, ça je ne sais pas à quoi ça sert.
Il n'a pas marché. Allemande 7 CRT. Voilà. Style ancien jeu. AMD Felix. Après, on peut rajouter. Donc, moi, ce que j'avais mis dans le tone map, je ne sais pas s'il y a du. Je regarde juste. Non. Ce qu'on peut rajouter, par exemple, tenez, je vais vous le mettre également. LumaSharpen. Ça doit être celui-là. LumaSharpen, il est là. C'est pour ajouter du grain, en fait, enfin de la précision. Je sais pas comment vous le dire. Je vais regarder si ça marche. 0,035. Pas celui-là. Là, 0,650. Je sais pas si vous le voyez au niveau de l'image. Normalement, c'est mieux défini. C'est un peu plus marqué en termes de traits. Est-ce que ça change? Je suis à 1. Ça change également. Alors, faut pas insister non plus trop grossièrement. Je vais vous remettre l'image. Je vais même peut-être essayer de vous zoomer. Donc je vais enlever LumaSharpen. Hop, vous voyez. Je vais vous le remettre. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre encore plus gros au niveau de l'écriture. Vous voyez ici. Je vais vous l'enlever. Voilà. Là, c'est un peu plus flou en fait. Là, avec LumaSharpen, les contours sont mieux détaillés. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Comment vous le montrer autrement. Donc du coup, hop, on va remettre ça de base. Donc petite chose avant de vous montrer les différences. Les avant-après. Si vous voulez modifier le setup et l'enregistrer, vous cliquez sur ici pour avoir autosave on. Voilà. Et si vous voulez appliquer les filtres, les presets que vous trouvez sur internet ou que je peux vous donner, vous cliquez sur plus ici. Et là, avec le petit dossier, vous allez chercher où se trouvent vos presets, tout simplement. Donc il suffit de regarder ici, c'est sur. Après, c'est cliquer dessus, hop, voilà. Il est sur Windows 64, là c'est de base. Vous pouvez le mettre sur un dossier qui se trouve sur votre PC. Alors, comme je vous ai dit que c'est pas très ergonomique, il faut remonter à chaque fois, vous voyez, hop, voilà, revenir sur votre dossier de bureau, enfin voilà, l'endroit où vous auriez mis vos presets. Voilà. Donc le fameux avant, après. Je peux pas faire plus. Très honnêtement, j'ai du mal à. Pour ça que je vous dis, pour moi, il est indispensable, je trouve vraiment. Après, je suis habitué, donc forcément, peut-être que là, ça me paraît. Mais franchement, j'ai envie de dire, sans jeu de mots, il n'y a pas photo, quoi. Vous pouvez remettre un petit peu de saturation, hein, pour avoir un peu plus de couleur. Mais voilà, de toute façon, à la fin de la vidéo, je mettrai, si j'oublie pas, tous mes presets. Mais alors, bien évidemment, il y aura un Patreon. Mes presets sont payants. Vous dites bien, il y a du boulot. Désolé, je voulais faire la blague. Parce que bon, je vais vendre des t-shirts et des tasses à café. Mais non, bah non. En plus, c'était, je crois que c'était Guillaume qui m'avait remis la main sur. Qui m'avait relancé là-dessus sur RF2. Et j'ai trouvé effectivement qu'en peaufinant un petit peu, ça permet d'avoir une image bien plus belle. Bon, alors voilà pour Assetto, hop. Corsa, premier du nom. Je vais vous faire du avant-après sur toutes les autres simulations. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions. N'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes presets seront peut-être, si j'oublie pas, dans les liens également. Je peux rien vous dire de plus. Pour moi, c'est parlant. Ces images sont parlantes et la suite des images sont parlantes. Si vous voulez voir votre jeu préféré dans la suite de la vidéo, ben c'est tout de suite après. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a servi. Désolé, hein, je vous ai pas montré tous les réglages qui est possible, mais avec 3 ou 4, ça vous permet d'avoir une image quand même bien plus belle, bien plus naturelle, à mon sens, encore une fois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis ben, je vous dis à une prochaine, une bonne journée. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires pour en discuter. Et je vous dis à plus. Tchuss!
droite sur jump, 40 mètres, gauche sur jump. Pour droite, 2 brefs. Sur gauche, 3 brefs, 30 mètres. Gauche, 5, long, gel, sinueux, 30 mètres. Gauche, 4 brefs. Pour droite, 6 sur ciel. 3 qui referme, long qui referme. Pour gauche, léger, 30 mètres. Gauche, 2 brefs. Dans droite 6, dans gauche sur ciel, 30 mètres. Droite 1, bref, dans gauche, épingle tard. Pour droite 5, bref, dans gauche sur ciel, 40 mètres.